Je m'appelle Timothée Pousset. Ça fait 3 ans que je suis entraîneur de basket à Saint-André-la-Marche. Je fais aussi en même temps le basket santé. Donc le club de Saint-André, c'est 180 licenciés cette année. Donc pour le basket santé, j'ai 3 créneaux avec les adultes. C'est un public qui va de 25 à 50 ans. Là, on fait plus tout ce qui est renforcement musculaire, mélangé avec du basket. Après, j'ai un créneau pour les retraités le vendredi matin. Là, c'est juste réservé aux plus de 60 ans. Donc là, c'est une heure. C'est un peu sur le même principe, renforcement musculaire et basket. Et après, j'ai des créneaux dans les foyers logements de Sèvremoine dans les alentours. Et donc là, c'est vraiment du basket très adapté. C'est une heure et j'y vais une à deux fois par mois. On était parti avec un seul créneau en semaine le soir, avec une 10-15 licenciés. Et là, donc, on est rendu à 40 licenciés sur 4 créneaux dans la semaine. Et pareil, du côté foyer logement, c'est pareil, ça a commencé avec 5-6 licenciés dans chaque structure et plus ça allait, plus ça augmentait. Et maintenant, je suis rendu dans certaines structures à 20 pratiquants. On a eu l'idée de faire du basket santé parce qu'à un moment donné, là, il y a 4-5 ans, où le basket à Saint-André, c'était compliqué parce qu'aux alentours, il y avait beaucoup de clubs de compétition et tu sais, on perdait beaucoup de licenciés. Donc on est parti là-dessus et en fait, on est un peu les seuls dans les alentours, donc c'est pour ça que ça a bien marché. Donc ça fait 4 ans qu'on a obtenu le premier label. Donc on a commencé tout simplement au mois de juin à faire 2 séances découvertes. Et du coup, maintenant, à partir de cette année, on est des structures fédérales basket santé. L'important, c'est de bien s'adapter à chaque profil. Il y en a qui sont vraiment là pour le basket, d'autres qui sont vraiment là pour s'amuser, pour passer un bon moment, d'autres qui sont là pour le renforcement musculaire. Et je trouve que c'est le plus important et c'est ce qui plaît de faire vraiment ce qu'eux, ils ont envie de faire, tout en ayant une logique de groupe. Je pense que le basket santé, c'est vraiment la suite, comme le basket tonique peut l'être ou d'autres nouvelles pratiques. Et ça permet de toucher d'autres publics. Et du coup, ça permet aussi de compléter les heures de salarié, parce que par exemple, je vais avoir moitié heure d'entraînement et moitié heure de basket santé.